les 3 2 1 action. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du testnet le plus important de Taiko, c'est l'alpha 6. Donc c'est live, c'est maintenant les amis, c'est pas trop tard. Vous pouvez dès à présent commencer à faire des transactions sur le testnet sur l'alpha 6 de Taiko pour être éligible au futur airdrop. Et on parle d'un airdrop très intéressant. Donc je dirais, ce serait vraiment dommage de passer à côté de l'alpha 6. C'est le Katla Testnet. Dans cette vidéo, on va parler aussi de d'autres projets très intéressants parce que vous le savez, en 2024, c'est l'année des airdrops. Il y en a partout, partout, partout. Donc, on va tout de suite commencer en parlant d'autres projets et on terminera cette vidéo par Katla Testnet. Alors, rapidement, il y a Gevulo Layer 1 qui va bientôt arriver. C'est pas tout de suite, hein, c'est à partir du mois de mars 2024. Ça va être le DevNet, hein, c'est bien indiqué ici. Ça peut être une blockchain très intéressante qui a déjà levé plusieurs millions de dollars pour ce projet. Pour le coup, on est extrêmement early. Donc, si jamais vous voulez participer au DevNet, vous pouvez euh, ben, signer, hein, donc euh, vous inscrire à la liste. Aussi, chose hein, intéressante, c'est que on, on aura la possibilité de, de déployer un node. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais le fait de déployer des nodes, ça peut être très, très avantageux. Et je vais vous raconter une petite histoire hein, d'un de nos membres hein, de, du Discord crypto France, Razil. Vous allez voir, c'est quand même assez hallucinant son histoire. Bref, intéressez-vous à Gevulo hein, parce que je pense que ça peut être un très, très bon projet. Alors, projet extrêmement intéressant. C'est analogue. D'ailleurs, on en parlera dans notre salon privé. Hein. Vous savez que j'ai fait un salon privé. J'en parlerai un peu plus tard également dans cette vidéo. Euh, c'est analogue. C'est un projet extrêmement early, layer 0, layer 1. Vous avez la possibilité de vous enregistrer. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Cliquez dessus. Enregistrez-vous et vous aurez une chance de participer au testnet privé. Mais de toute façon, alors c'est pas tout de suite. Je crois que c'est à partir du mois de mars. Mais de toute façon, il y aura également un testnet public. Donc il faudra vraiment être au courant de, de ça hein, quand ça va sortir puisque souvent les projets récompensent surtout ceux qui sont là depuis le début. Donc on va suivre de près analogue. Polymer Labs également, donc c'est un layer 2, et Dieu sait que les Layer 2 sont très intéressants. Euh, Levé de fonds à plus de 26 millions de dollars, donc c'est très intéressant. Pour l'instant, on est encore une fois early, par contre, ça pourrait être très très intéressant de s'y intéresser. Donc notez-vous ce projet, mettez-le de côté. Il s'appelle Polymer Labs et dans le même ordre d'idée, hein, c'est Andalusia Labs. Donc levée de fonds plus de 56 millions de dollars également. Donc là aussi, on est très très early. Notez-vous ce projet Il va faire parler de lui ces prochains jours, ces prochaines semaines. Alors rapidement, hein, pour ceux qui veulent re rentrer dans le salon Discord des Airdrops, comme vous voyez ici dans le Discord Crypto Jeux France Airdrop 2024. Donc discussion générale, annonce urgente. Vous avez accès à également à un tableau Excel. C'est 45 dollars sous forme de crypto. Vous payez avec la crypto que vous voulez. Vous m'envoyez un message cryptojeufrance.gmail.com ou alors vous m'envoyez un message privé dans le Discord. Il y a également un live une fois par semaine. On va faire un tour des différents projets, des différentes transactions, des différentes quêtes qu'il faut. Comme ça, on passera, euh, on passera plus à côté des très très bons projets. Maintenant, une histoire rapide comme je vous ai euh, dit. Voilà, donc euh, Razil, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est dans le salon Discord de Crypto france Vous le connaissez certainement. Ceux qui me suivent depuis euh, pas mal de temps, Razil, c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément en technicité par rapport aux blockchains, etc. Il a réussi en janvier à cumuler plusieurs milliers de dollars dans les airdrops. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien hein, la blockchain. Donc il nous a rejoint. Il nous a rejoint. Donc il va participer de façon très active. Euh, au niveau de Airdrop 2024. Et euh, pourquoi je vous ai parlé de Node en introduction, c'est parce qu'il avait fait tourner, puis je m'en souviens, on en avait parlé, euh, il avait fait tourner un Node de Celestia pendant 3-4 mois, et ensuite il aurait dû avoir 20 000 dollars en allocation en TIA, c'est énorme, aujourd'hui il a 17 dollars, et puis malheureusement il s'est embrouillé, comme il le dit ici, s'embrouillait de Wallet, et au, au moment donc, de, de s'en rendre compte, malheureusement l'événement du claim était passé. Mais c'est pas grave, des histoires comme ça, il en a quand même beaucoup. Après, il a réussi à rebondir parce qu'il en a acheté beaucoup quand le prix était très faible. Aujourd'hui, je crois qu'il a 16 ou 17 dollars. Bref, je suis très très content que Raziel nous ait rejoint dans l'aventure Airdrop 2024. Donc, si ça t'intéresse, euh, les projets, les Airdrop, parce qu'en 2024, il va y en avoir beaucoup, possibilités immenses de cumuler un très gros bag en crypto-monnaie, DM-moi. Donc, tu m'envoies un message privé dans le Discord ou tu m'écris un courriel crypto -jeux France. Alors, très 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 rapidement, Zeta Chain, vous le savez, donc il y a eu la première phase au niveau du testnet. La deuxième phase est actuellement, c'est actuellement qu'on peut participer à la deuxième phase. Et il n'y en aura plus d'autres. La première allocation pour le testnet, c'était 4% et 6% de l'allocation totale, hein, 6% pour la phase 2. Alors, il y a des bugs actuellement sur le mainnet, mais c'est normal. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il donne une allocation, c'est pour justement régler tous les problèmes. Euh, c'est pour ça il faut être patient. Si jamais vous voulez participer, il suffit de cumuler ou d'acheter. Hein. Euh, vous avez plusieurs euh, sexes ou decks, hein, différents, etc. Vous pouvez acheter quelques états et participer. Vous allez gagner des points XP et ces points seront échangés contre un airdrop. Donc c'est quand même une façon assez facile de, euh, de, de claimer plus tard ou d'être éligible au futur airdrop de zeta chain. Actuellement, on est encore bon, on est encore bon en termes de temps. Donc, vous allez cumuler des points d'expérience comme vous avez ici. Hein. Vous allez monter en level également. Puis, vous avez des tâches à faire, ok C'est très facile. Vous avez à recevoir des, par exemple, BNB, Zeta Chain, ETH. En fait, il suffit d'aller sur un protocole comme ZetaSwap ou d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui sont greffés sur la blockchain Zeta Chain. Et puis ensuite, vous avez également à vous envoyer donc, des états sur un autre wallet. Vous les envoyez de nouveau au premier wallet, etc. Vous faites ça. Vous allez pouvoir après claimer les points d'expérience. Vous allez monter dans le classement. Et comme ça, votre allocation sera plus importante. Aussi, vous pouvez vous amuser à aller dans différents protocoles de, de, de Zeta Chain, comme ZetaSwap, etc. Et faire plusieurs petites transactions. Euh, ça, ça va jouer également. De plus, vous pouvez également rentrer dans une poule de liquidité. D'ailleurs, si vous voulez accumuler des points d'expérience, à un moment donné, ils vous le disent. Donc, my position, hein, vous allez retrouver vos positions. Et staker, je pense que ça va être important également de le faire. J'ai staké 300 états. Donc, pour l'instant, j'ai gagné un état. Alors, pas c'est pas grand-chose. Hein. Mais ça, ça risque d'être bien, euh, puisque je donne une écriture de plus au niveau des transactions, au niveau de mon historique, et l'allocation que je pourrais avoir pour être plus importante. Alors pour Taiko, il y a beaucoup de spéculations qui disent qu'il serait très imminent. Alors c'est sûr que ceux qui ont participé au testnet depuis le début, c'est mieux. Par contre, l'annonce est explicite. Ça veut dire que c'est l'Alpha 6 qui est le testnet le plus important. Donc amusez-vous à faire le plus de transactions possible, à rentrer dans des poules de liquidités, à faire même du trade et à remplir le galx Essayez de cumuler le plus de points possible puisque le mainnet aura lieu très prochainement. Alors, on va aller sur Chainlist ». Il vous faut euh, deux, euh, deux réseaux principaux. Hein. Donc, c'est le Katla. Donc, euh, le, le Taiko Katla A-Layer euh, 2. Hein. Vous, vous allez cliquer sur Add to MetaMask. Ça va rajouter le réseau à votre wallet. Voilà, une fois que ce réseau est euh, ajouté à votre wallet, vous allez rajouter le Oleski. Donc, Oleski, c'est celui-ci. Vous allez cliquer également sur Add to Metamask. Et maintenant, nous avons les deux réseaux. Et on va pouvoir participer au testnet. Alors, la première chose, il vous faudra du Oleski Ethereum. Donc, vous allez coller ici votre adresse. Je vous mettrai également les liens en dessous de la vidéo. Vous collez votre adresse. Vous dites que je ne suis pas un robot. Et ensuite, vous, euh, vous avez juste à poster, puis à coller votre preuve que vous avez posté un, un lien sur Twitter. Et ensuite, euh, vous allez pouvoir claimer, je dirais, vos OLESKI Ethereum. Voilà, ensuite, on va pouvoir bridger. Donc, on clique sur bridge. Donc là, pareil, hein. Donc, euh, hop, vous allez mettre un montant en Ethereum. Vous allez cliquer sur Bridge. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir également euh, bridger du horse, par exemple. Hein. Pareil, donc on approuve hein, les transactions à chaque fois. Puis vous pouvez même vous amuser du TTK euh, OK. Donc, euh, même chose, hein. vous bridgez. Et une fois que c'est fait, donc là, l'avantage, c'est hein, qu'on va passer du réseau, donc Oleski Ethereum sur le réseau Katla, Et je le rappelle, hein, c'est l'alpha 6 de Taiko, donc c'est l'alpha 6 qui est la plus importante. Donc une fois qu'on est dans la poule de liquidité, euh, vous allez pouvoir sélectionner la paire que vous voulez. Hein, vous pouvez choisir la paire que vous voulez. OK, donc Horse par exemple, USDC. Vous cliquez sur 0.05. Et ensuite, vous allez cliquer sur Full Range. Puis après, ça va vous le donner ici. Mais vous voyez que moi, je n'ai euh, pas assez de Horse. Alors je ne sais pas si je peux changer à 250. Ok, je peux baisser un peu, vous voyez. Hop, vous cliquez sur Preview, vous acceptez toutes les transactions. Et euh, à un moment donné, ça vous dira d'approuver hein, la poule de liquidité. Vous cliquez dessus et félicitations. Vous aurez rentré de l'argent, de la liquidité, liquidité dans une poule. Et ça, c'est extrêmement important pour être éligible au futur airdrop. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons déployer un contrat. Donc on va sur thirdweb.com là ça va être extrêmement facile on clique sur deploy no là on peut mettre ce que vous voulez hein. vous pouvez mettre euh, je sais pas moi quatre tiens hop vous pouvez mettre quatre là Taiko quatre là encore là c'est pas... c'est vraiment pas important c'est juste pour déployer donc un contrat tout simplement ici vous laissez vide ensuite ici vous, mettrez... vous mettez votre adresse wallet ici vous cliquez sur donc c'est bien quatre là hein. donc katla, là voilà Non, Taiko quatre là Layer 2, hein. et ensuite vous cliquez sur Deploy. Noise donc ça va déployer un euh, contrat. Alors ça risque d'être un peu long, donc soyez patient, mais ça aussi, ça peut être très important pour être éligible au futur Airdrop. Une fois que c'est fait, que vous avez déployé votre premier contrat, vous pouvez même en déployer un deuxième. Vous cliquez en haut sur Contrat, vous cliquez sur Explore, vous descendez, vous cliquez sur celui que vous voulez, celui-ci par exemple. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons cliquer toujours sur Deploy No. Pareil, vous mettez ce que vous voulez ici. Votre wallet également. Taiko Katla Layer 2, Deploy No. Et comme ça, ben voilà, vous aurez plus d'écriture au niveau de la blockchain de ce euh, testnet. Et pour terminer, le fameux GALX. Donc euh, ça peut être assez important de le faire également. Donc là, ben, vous vous connectez à, à GALX hein, vous connaissez certainement comment ça fonctionne. Et puis là, vous allez tout remplir. Donc follow, like, etc. Ça va vous donner des points en plus. Visite, buys, etc. Bref, le quiz également. Je vous mettrai si vous voulez les réponses en dessous de la vidéo. Mais essayez de le faire. Très, ça peut être a priori. Hein, ça peut être très très important pour le futur airdrop de Taiko. Donc voilà, on approche de la fin de cette vidéo. On termine par la charte graphique de Zeta Chain. Donc il a quand même fait une belle progression. Il était à 0.69 euh, au plus bas. Même un peu moins. 0.67. Euh, Actuellement, on est quand même à 1.44. Donc c'est très bien. Au début, c'est normal. Il y a des bugs. Il y a des gens qui qui, qui, qui vendent leurs tokens, etc. Mais je pense que c'est euh, une blockchain qui a énormément, énormément de potentiel. Est-ce qu'on est à l'aube d'un pump Peut-être, peut-être pas. Attention, je ne suis pas conseillé en, en, en finance ou quoi que ce soit. C'est à vous de faire vos propres recherches. Mais on est peut-être à l'aube de quelque chose. Surtout qu'on a quand même un range assez sympathique. Voilà comment se termine cette vidéo. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Pour moi, c'est très important de liker la vidéo. Mettez-moi un commentaire également. Et encore une fois, si vous voulez rejoindre le salon privé, les amis, je vais vous mettre une petite fiche tout de suite maintenant au-dessus de la vidéo. Vous cliquez dessus. C'est une petite vidéo de deux minutes de présentation par rapport au salon privé. Donc, ensemble pour Airdrop 2024, ensemble pour cumuler, pour claimer le plus de tokens possible, ensemble également pour être prêt au prochain. Bullrun, les amis, accrochez-vous. Partance pour la lune, et ça, on va le faire ensemble. Ciao, les amis.